je me laisse faire. Je suis en fait comme médium par rapport à l'histoire qui veut se raconter et qui est quelque part est au-delà de ma conscience en fait des choses. Je me laisse porter parce que j'ai envie qu'on soit dans le rêve et pour être dans le rêve il ne faut pas réfléchir. En fait c'est très magique, c'est-à-dire que là on a cette espèce de toile qui est remplie de liquide, qui est beaucoup, pas mal hein, de liquide, et donc simplement avec une petite touche comme ça, on a presque l'impression d'avoir une baguette magique dans la main, quoi. C'est même plus un pinceau, c'est une baguette magique où je dis je veux de la couleur, bleue, jaune. La couleur va en fait m'imprimer une émotion et du coup cette émotion va renvoyer une autre émotion et un désir d'une autre couleur. Une espèce de dialogue qui se fait dans ma tête à travers les couleurs. Il y a un bleu qui va me dire oh, j'ai envie d'un rouge, j'ai envie de... Donc je me laisse porter par l'émotion de la couleur. Ce qui m'amuse, moi, c'est de créer des fenêtres qui vont permettre aux gens d'ouvrir la porte de leur propre imaginaire. Il y a une image. Et chacun va pouvoir l'interpréter dans son monde à lui. J'essaie de découvrir le bonheur. Et j'essaie, à travers mes tableaux, d'essayer une espèce de montrer un peu le chemin par où on pourrait aller pour le trouver.